Salut tout le monde, c'est ML2G, bienvenue dans la Labyrinthe Zone. Et ce niveau, je l'aime pas du tout. Nous sommes à la petite session numéro 4 de Sonic the Hedgehog. Et voilà, ça commence super bien. Merci le pingouin. Enfin, c'est pas des pingouins, je sais pas ce que c'est, mais... Suicide, hein. On va bien récupérer la télé qui est là, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc j'ai perdu tous mes anneaux juste pour récupérer ça. Sympa. Faut savoir une chose. Là, je viens de récupérer une bulle d'air parce que nous sommes dans l'eau. Sonic n'a pas la possibilité de respirer aussi longtemps qu'on le souhaite. Hein. C'est pas Mario. Il a une certaine jauge d'endurance dans... Mais bon sang. Certaines jauges d'endurance dans l'eau. Et... Ah, j'aurais pas dû aller aussi loin. C'est que des fails là aujourd'hui. Hein. Je reprends mon souffle. Ok, la plateforme, ça on l'enlève. Qu'on ait la télé avec la bulle de protection ou l'invincibilité, il faut quand même prendre les bulles d'eau. Bon, là c'est vraiment chiant parce que quand t'es dans l'eau, tes mouvements sont vraiment ralentis. Ok, on va descendre. Allez, la bulle là. Allez, allez. Voilà. Alors, quand il y a la petite musique qui change, j'ai plus que 5 secondes pour récupérer ma vie. Hein. Enfin, récupérer de l'air, pardon. Et on avance. On va attendre un peu. Voilà. J'ai vu le boulet là-haut. Fais gaffe. Alors, le boss de ce monde, il est assez particulier. Vous verrez quand on y sera. J'en dis pas plus, parce que sinon, bon, je vous spoil un peu. Même si beaucoup d'entre vous ont déjà fait ce jeu. Bon, allez, là-haut. Allez, allez. Faut que je tape sur l'interrupteur pour que ça ouvre un passage en bas. Ok. Let's go. Toi, dégage. Et le checkpoint. C'est... Oula ! Ah ! Ouais, quand on est dans l'eau, y a pas moyen de faire demi-tour avec un dérapage. Hein. Tu continues d'avancer avec la pression de l'eau. Donc les pics, on va faire attention. Voilà. On y va tranquillement. Ok, c'est good. Et on monte. Mince. Ah, la flotte va m'emmerder, là. Et des bouchons là, faut surtout pas se mettre dessus et attendre que l'eau nous monte, hein, parce que si y a un plafond, on est mort, on se fait écraser. Ok. Oh là. Ah. Pas possible ça. Non, non, pas lui, pas lui, pas lui. Ok, c'est bon. Eux, ils sont chiants aussi à battre. Hein. T'arrives à des moments où ils te coincent dans un coin et c'est fini. Hein. Ok, peut-être qu'il crache du feu, ça on esquive. Voilà, c'est les bouchons. Là, faut pas se mettre dessus. Si tu te mets dessus, t'es fini. On le laisse monter, voilà. Et on avance. Ouh, j'ai eu de la chance, là. Ok, encore des pics. On y va. On va prendre la bulle d'air. Yes. Ah, c'est la fin. Parfait. Ok, bon, cette petite session sera quand même un petit peu plus longue que les autres, parce que l'eau nous ralentit d'une part, d'autre part t'as aucun moyen de speeder dans ce niveau, c'est vraiment tu marches et tu fais attention à ce que tu fais. Hein. Allez, c'est parti pour la zone 2. Ok, on a toujours les mêmes ennemis. Ah là, on a des courants d'eau. D'ailleurs, chose que j'ai pas précisé, c'est que tiens, voilà. Je change de sujet tout de suite. Là on est en mode invincibilité. Et vous allez voir que même en mode invincibilité, on a besoin de bulles d'air. Voilà. Vous voyez. Hop là. Et puis là on a un petit bug de son. On a plus le son de l'invincibilité, on a le son du niveau. Hop là, et c'est revenu. Ok, alors je disais, les décors de ce niveau, on peut les prendre pour faire des hacks de Mario. Et le rendu est pas plus, est pas si mal que ça. Je trouve que c'est sympa. Je les ai déjà utilisés. Oui, il y a eu quoi là? Ah, c'est là-haut. Ok. Alors là, faut chercher un interrupteur. Il est derrière ça. Ah non. Il doit être derrière un autre là-haut. Ah, derrière les 10 rings ici. Voilà. Parfait. Mais, hé, saute! Il a pas sauté.
Oh là, c'est dangereux ça. Ok, et c'est à droite qu'on va. Checkpoint, parfait. Oh là. On va prendre le mode invincible. Voilà, et on descend. À toute vitesse, Sonic. Allez, à toute vitesse. Que des interrupteurs pour nous ralentir. Hein. Ah. Allez, allez. Enfin, peut-être que je pense à prendre une bulle d'air. Voilà. Doucement, vas-y, doucement. Là, tu peux y aller. Ah non, mais lui, il est chiant. Lui, il est chiant. Ah, mais comment tu veux faire? Comment tu veux faire? Explique-moi. Bon, on avance. Encore un. Ah, non. C'est pas possible, ça. Mais non. J'aurais dû sauter. Bon, c'est pas grave. On reprend. Oh là, bah, j'ai failli encore perdre bêtement, là. On va y aller. Cette fois-ci, on se fait plus avoir. Ah, Sonic, hein, on est vachement en train de courir, hein. Ça fait peur. Allez, on avance, on prendra une bulle d'air après. Ah ! Ok, allez, allez, allez. Voilà. Ta 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 ta. J'aime bien cette musique, elle est sympa. Bon, là, on va se baisser. Allez, 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 baisse-toi. Ah, j'ai cru qu'en boule, j'allais me faire avoir. Mais non, ça va. Ok, alors là, il va falloir sauter sur une autre plateforme avant qu'on se fasse écraser. Et voilà, on va sauter là-dessus. Parce que là où il y a des pics, hein. C'est dangereux aussi. Ah, petit bug de musique. Bon, c'est pas un bug, c'est que j'ai dû passer le temps pour respirer et la musique est revenue dès que je suis sorti. Ok, c'est la fin. Encore des points ou pas? Ah non, pas de points. Bon. On est parti pour l'acte 3 maintenant, l'acte final de Labyrinthe Zone. Et vous allez voir le boss à la fin, très particulier comme... Mais non, mais hé hey. Très particulier comme je disais. Alors là, il faut sauter au bon moment. Hop là. Donc là, on a une télé. Et dès qu'on redescend, on ressaute. Et là, on a l'interrupteur pour pouvoir passer à droite. Ici. Yeah. Ok, donc là on va y aller tranquille. On va prendre les pièces. Pas les pièces, les anneaux. À force de jouer à Mario, je dis pièces maintenant. Ok, et on descend. C'est dangereux de descendre sans se mettre en boule, hein. Je préfère prévenir. Là on peut descendre par là, alors on va descendre par là. On va prendre de l'air aussi, ce serait pas mal. Allez, voilà. Oh, on est propulsé là. Ah, un passage de gameplay super sympa, je trouve. Ok, alors maintenant, ok, donne-moi de l'air. Parfait, j'arrive au bon moment. On va utiliser le ressort pour appuyer sur l'interrupteur. En haut. Oh là, je m'attendais pas à le faire d'un coup, mais bon, je l'ai eu d'un coup. Tant mieux. Vous voyez comment c'est super lent pour sauter dans l'eau, c'est vraiment désagréable. Toi, je me casse, j'ai pas besoin de te péter. Normalement, on a bientôt atteint le haut, enfin j'espère, parce que je vais... Voilà. C'est-à-dire que j'allais manquer d'oxygène. Ok, donc là, on a les bouchons. Et là, faut se dépêcher, sinon on va perdre du temps dans la flotte. Allez Sonic, vas-y, vas-y. Non, non, eh oh. Ok, c'est bon, j'ai cru que j'allais me faire toucher. Parce que là j'ai absolument besoin de mon bouclier. Et de mes anneaux. Oh bah tu me diras, il y avait un bouclier ici. Allez, prends-le. Je prends même si je l'ai déjà. Ok, c'est parti pour le boss. Donc là en fait t'as pas... Je sais pas s'il y a moyen de le battre comme ça. Moi en tout cas j'ai jamais... Enfin de souvenir j'ai jamais réussi. Il faut juste monter en haut avant de mourir. Quand je dis avant de mourir, c'est parce qu'il y a l'eau qui monte. Et donc forcément, au bout d'un moment, on va manquer d'oxygène. Et on a plein d'obstacles qui nous empêchent de monter tranquillement. Ah, les têtes qui crachent du feu, les pics.
Et je vous cache pas que la première fois que je l'ai fait celui-là, j'ai dû perdre toutes mes vies et toutes mes continues. Hein. Enfin, j'étais jeune. Hein. Ok, c'est terminé. Oh là. Encore une fois, je suis sorti au bon moment. Et on termine ce niveau avec brio. Voilà, la petite session numéro 4 de Sonic, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt pour la petite session numéro 5. Ciao tout le monde. Oh, succès.